Le pouvoir ukrainien serait ouvert à la perspective d'accepter des élections anticipées. Objectif mettre fin à la crise politique, selon l'un des proches du président Yanukovych. Ce matin, la reprise de la session parlementaire a été chahutée. Les membres du gouvernement ont quitté la séance alors que l'opposition pro-européenne tapait sur les pupitres pendant le discours du leader du parti des régions au Parlement. C'est une impasse et je suggère donc que nous oublions tous les griefs, les victoires et les défaites, nos carrières, et qu'au lieu de tout cela, nous unissions nos efforts pour travailler sur une stratégie de sortie de crise. Pour l'opposition, il faut en revenir au peuple et au plus vite, comme l'a précisé Vitali Klitschko. Il est de notre devoir d'accomplir la volonté du peuple. C'est notre devoir de les écouter. Et l'un des moyens de résoudre cette crise, c'est de redistribuer le pouvoir dans le pays, parce que le monopole actuel a conduit à la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Les partisans de Yanukovych se sont mobilisés aux abords du Parlement, tandis que les contestataires campent toujours à Maïdan. La visite de Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne, à partir de ce mardi, pourrait accélérer les discussions.